Un atelier de mind-mapping sur le pitch, ça donne quoi? Nous avons eu le plaisir avec Véronique Marguet, facilitatrice graphique et coach, de vous présenter l'utilisation du mind-mapping pour préparer vos pitchs. Cet atelier vous a été offert dans le cadre de la formation Voxpreneur, dans laquelle j'accompagne les coachs et thérapeutes à oser parler de leur activité, présenter leurs offres et incarner leur statut d'entrepreneur. Nous avions envie de vous faire bénéficier de ce bonus ouvert à tous et voici ce que nous avons fait concrètement. Première étape, chaque participant s'est présenté et Véronique Marguet nous a fait une prise de notes en live en utilisant un logiciel spécifique de mind mapping pour nous montrer à quel point sa prise en main est d'une facilité déconcertante. No way! Ensuite, elle nous a montré les différentes utilisations possibles du mind mapping et puis le look que cela pouvait prendre en fonction des différentes vues proposées par le logiciel. Et ça, c'est super important car parmi les participants, il y en a pour qui c'était indispensable d'avoir une vision linéaire, genre à puce, et pour d'autres, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir une vision en étoile, ce qui fait qu'en un seul clic, nous pouvions faire le bonheur de tous. Nous vous avions également préparé un exercice individuel de mind mapping dans lequel nous vous proposions de réaliser à la mano la préparation de votre pitch. Suite à quoi nous avons partagé nos œuvres tout en les pitchant directement en live. Et ce qui est super intéressant, c'est que nous avons tous pu constater que le fait de les avoir écrits avec juste des mots-clés, quelques petits dessins, de les avoir disposés dans l'espace, cela nous permettait d'être beaucoup plus concis que lors de notre présentation en tout début d'atelier. Et en plus de ça, certains participants ont même pu avoir de véritables prises de conscience en live devant nos yeux sur le fait qu'il y avait des similitudes dans leur parcours sur lesquelles elles pouvaient s'appuyer dessus pour encore améliorer leur pitch. Et enfin, nous vous avons partagé un bonus graphique de nos tips qui reprend tous les points clés pour bien préparer votre présentation orale. Une sorte de checklist visuelle à garder sous le coude pour ne rien oublier. Waouh, trop cool! Encore une fois, un grand merci à Véronique Marguet pour cette présentation du mind mapping ainsi qu'à tous les participants qui nous ont rejoints pour cette très belle aventure. C'était vraiment super chouette! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Enéalogie et activez la petite cloche si vous voulez être informé des prochains ateliers. À bientôt!